8h du matin, pourquoi quand tu sois permis? Mais non les gars, j'ai le permis. Passe la troisième, qu'est-ce que t'as? Rien du tout. La voiture, elle arrête pas de crier. Wouah! Wouah! Wesh! Wouah! Il s'est pas roulé! Je suis trop wesh! Les gars, vous inquiétez pas, les gars. Mais vous inquiétez pas de quoi, frère? Gars, c'est ma vie à moi que. Les gars, il est en train de mettre nos vies en jeu! Bon, chinois, t'as faim? Ouais, j'ai faim, je suis pas du tout. Ah bah vas-y, mais sors, frère! Hein? Pas du humeur à jouer comme eux là. Ah ok. Toi t'as faim? Non j'ai pas faim. Tu m'invites? Jamais. Ah, le bénère. Tu peux avoir faim mais. T'invites ou pas? Hein? T'invites ou pas? Mais est-ce que toi je suis obligé de t'inviter? Ben ouais. Ah, tu te dis quoi? Ah wallah ce type là, le Coran depuis qu'il est avec moi, je l'ai jamais vu en perte. Il est toujours en bénéf. Bon, vous demandez peut-être ce qui nous est arrivé. Eh bien, c'est simple. Hier, les hôtels de Lyon, ils étaient tous complets. Ça veut dire que j'ai dû appeler un poteau à moi et aller dormir chez lui. Lui, il a dormi dans la voiture. Pas moi. Non, le bénère. Lui, il a dormi dans un appart. Il était tout seul. Bref, laisse tomber. Aujourd'hui, on retourne sur Lyon. Eh oui, chinois. Eh oui, chinois, elle a becté. Regardez. Regardez, le chinois, il est content. 1.2. Ah. Merde, j'ai oublié que c'était mes sous.